Est-ce que tu sais que LinkedIn, c'est la vitrine commerciale de ta e-réputation professionnelle sur le web? Que ce soit dans le cadre de la recherche d'un job ou dans le cadre du développement de ton activité, c'est un élément qu'il faut vraiment pas négliger. Quelques chiffres, 87% des recruteurs utilisent régulièrement LinkedIn et 29% des responsables de recrutement vont consulter les profils. Ton profil doit être impeccable. Numéro 1, ta photo de profil. Choisis une photo qui te met en valeur. C'est le premier élément de ton image de marque. Le deuxième élément, ça va être ton type de profil LinkedIn. Ne te contente pas juste de mettre ta fonction. L'idée, c'est de mettre une phrase qui va te mettre en valeur, faire comprendre aux utilisateurs qui tu es et ce que tu peux leur apporter. Le dernier élément, c'est ton résumé de profil LinkedIn. Un profil complet renvoie une image sérieuse. Donc, n'hésite pas à compléter chacune des parties. Ton profil LinkedIn est complété. Maintenant, il est temps de développer ton réseau. 1. Commence par te donner un objectif et une cible. Exemple, je cherche un stage de fin d'année en réseau. Je vais m'adresser directement au DRH, au RSSI, au DSI. Ta cible est définie. Maintenant, il est temps de chercher des profils qui vont correspondre à ta recherche. N'hésite pas à les inviter à rentrer en relation avec toi. C'est toujours mieux de personnaliser son invitation de manière respectueuse et professionnelle pour avoir un meilleur impact. 3e point, faire des publications, liker, partager. C'est le moment de développer votre réseau. Plus on démontre son engagement, plus on a de chances d'atteindre son objectif. N'hésite pas à liker, partager, commenter des articles en lien avec ton objectif. Pour finir, mes conseils pour une publication réussie. Les meilleurs moments pour publier, c'est le mardi, le jeudi et le vendredi sur 3 créneaux. De 7h à 9h, de 12h à 14h et de 17h30 à 19h. Une publication optimale doit porter sur un sujet d'actualité. Elle doit comporter une vidéo ou une image, pas trop longue la vidéo, de 30 secondes à 2 minutes. Une question qui va donner envie à l'audience de lire le contenu, de réagir, d'y apposer des commentaires et de réagir avec des hashtags par exemple. Tes posts doivent avoir un de ces trois objectifs, divertir, instruire ou inspirer. Ça y est, t'as tous les éléments pour cartonner sur LinkedIn, donc c'est à toi de jouer.